Comment? Oui, oui. Vous m'entendez bien là? Ouais. C'est chiant, ils sont en rouge et d'autres en blanc et rouge avec. Et alors, il est de la feuille. Allemand ou tchèque l'arbitre? C'est allemand. Et là, il est tchèque. Ah bon? Oui. Yerka, c'est plutôt un nom allemand, c'est plutôt un nom tchèque, ça, non? Non, restez là plutôt, il y a des pop-corn. On l'a enregistré, ouais. C'est génial, hein. C'est à côté. On sort de table. Vous êtes comme moi, vous avez objectif 100, hein. Moi, j'ai un objectif dans la vie, c'est objectif 100. Objectif 100 kilos. C'est pas avec ça. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Olympic Sabalo for Olympic hockey action with the team from Canada against the team from Switzerland. Ouais, j'ai envie de faire ça. Ouais. Soyez les bienvenus au Sabalo Olympique, à l'occasion de l'épreuve de hockey des 15e Jeux Olympiques d'hiver, opposant l'équipe du Canada et l'équipe de la Suisse. Here are the starting lineups for this afternoon's game. First for Canada, starting in goal, number one, Sean Burke. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. On a intérêt à mettre fort le retour parce qu'avec les gueulantes qu'il va y avoir tout à l'heure.
le gardien numéro 1, Sean Burke. Sur droite, votre retour dans le cadre. En défense, number 21, Randy Craig. Le défenseur numéro 21, Randy Craig. Also on defense, number 25, Zoe Zolowski. Starting at center, number 8, Brian Bradley. At right wing, number 12, Serge Boisvert. And at left wing, number 24, Jim Poplinski. And now we're starting line up for Switzerland, starting in goal, number 30, Richard Bjoffer. Richard Bjoffer. On defense, number 4, Andreas Rich. Le défenseur, numéro 4, Andreas Rich. Also on defense, number 20, Bruno Roger. At center, number 22, Freddie Lutie. At right wing, number 19, Peter Yachts. And at left wing, number 13, Thomas Verbeck. The captains of the two teams will now exchange gifts at center ice from Team Canada, number 5, Trent Yanni, and from Switzerland, number 2, Fausto Mussolini. Les capitaines des deux équipes échangeront maintenant les salutations du Canada, le numéro 5, hein? Trent Yanni, et pour la Suisse, le numéro 2, Fausto Mussolini. The referee for this afternoon's game from Czechoslovakia, Milan Jurka. The linesman from the USA, Edward Horn, and from Poland, Julian Gorski. Le numéro 3. Les officiels pour aujourd'hui, l'arbitre. Numéro 3. Le Canadien. Les juges de ligne des États-Unis, Edward Horn, et de la Pologne, Julian Gorski. Non. Not playing this afternoon for Canada, number 30, Rick Costi. Number 15, Robert Joyce. And number 23, Chris Felix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Saddle Dome de Calgary. Vous allez pouvoir assister à la rencontre Canada-Suisse, comptant pour le groupe A des Jeux Olympiques. En maillot blanc, le Canada, qui sera le favori de cette rencontre. Et la Suisse est en maillot rouge, la Suisse qui pourrait peut-être créer une petite surprise comme il l'avait fait au cours du premier tour de ces Jeux Olympiques en battant la Finlande par 2-1. Un tournoi de Jeux Olympiques qui nous a réservé d'ailleurs quelques surprises étonnantes puisque ne serait-ce qu'aujourd'hui même, la Suède n'a pu faire mieux que match nul avec la Pologne en vous rappelant les surprises déjà enregistrées, c'est-à-dire que la Tchécoslovaquie a été battue par l'Allemagne de l'Ouest et que le Canada a eu beaucoup de mal à se défaire de la Pologne 1-0 au cours de ce premier tour. Les Canadiens se sont pourtant longuement préparés pour ces Jeux Olympiques. Cela fait 2 ans que l'équipe canadienne est en formation sous les ordres de Dave King, le coach qui a tourné d'abord pendant 1 an pour repérer un peu tous les joueurs dans les universités et les collèges. Il est même venu en Europe pour repérer les Canadiens qui jouaient dans les équipes européennes. Et il a pu, pendant 2 ans, rôder un peu cette formation. C'est la première fois d'ailleurs que les Canadiens pouvaient rôder une équipe nationale pendant une distance, pendant une période aussi longue. Généralement, cela durait 1 an. C'est la première fois que ça dure 2 ans. Et une première attaque canadienne avec le numéro 12, Serge Boisvert, qui a été arrêté par le gardien suisse, Richard Bucher. Et toujours l'ambiance extraordinaire de ce Saddle Dome, avec l'orgue et le panneau électronique où il y a des animations.
Le hockey, c'est vraiment le sport national au Canada, avec un public de connaisseurs et toujours prêt à s'enthousiasmer. Les Canadiens devront maintenant se racheter de leur difficile victoire contre la Pologne. Et c'est peut-être les Suisses qui vont faire les frais de ce rachat. En tout cas, c'est ce que nous allons voir au cours de ces trois périodes de ce match Canada-Suisse. Alors avec Thierry Lacarrière, nous allons essayer de vous raconter les péripéties de cette rencontre. Avec depuis déjà 30 secondes que l'on joue, une domination canadienne, Thierry. Enfin, difficile de parler de domination au bout de 30 secondes. Oui, c'est difficile, mais enfin, il faudra que les téléspectateurs remarquent le comportement du gardien suisse, qui sera évidemment primordial dans cette partie. Comportement qui a été un peu fantasque lors de la précédente rencontre contre la Finlande. Gardien qui a eu beaucoup de chance, mais qui a eu aussi beaucoup de mérite de ne pas encaisser de but contre cette équipe de Finlande qui s'est donnée favori. Et qui a eu, en plus, a fait un petit peu un show au cours de cette rencontre, et qui a commencé tout à l'heure d'ailleurs sur le premier shoot canadien dans la première minute de jeu. C'est les Suisses maintenant qui sont en position de possession du palais avec Neuschwander qui change d'aile pour Montandon. Montandon au centre pour Neuschwander, Neuschwander qui tire à côté. Récupération à droite avec Gilles Montandon, revient au centre avec Brazet, qui va se faire subtiliser le palais, voilà c'est fait. Les Canadiens peuvent repartir en contre-attaque avec Upside, loin devant pour personne, cela lui permet de revenir au banc. Mise en échec sévère là, qui provoque quelques réactions du public. Canadiens qui pratiquent un jeu assez curieux. Oui, typique jeu canadien où une fois la ligne rouge passée, l'équipe, les Canadiens envoient le palais au fond de leur zone d'attaque. Et Harvey Petit, tout le monde compte pour essayer de récupérer le palais et organiser le jeu dans la zone. Il ne transporte pas le palais de la zone neutre vers les buts. Il lance le palais et ensuite on récupère. C'est ça, c'est vraiment la méthode un peu des joueurs professionnels appliquée par cette équipe. Donc il faut noter qu'elle est au complet ce soir, contrairement à la Pologne, avec le retour notamment de Roy, un joueur Serge Roy, qui est d'ailleurs un joueur qui vient en Suède. Et pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. La technique canadienne apparemment ne fonctionne pas véritablement. En tout cas, dans la construction de jeu, même si physiquement, apparemment, et sur le patinage, ils ont une légère domination sur la Suisse. Oui, ils ont quand même un petit peu la pression sur eux parce qu'ils sont donnés parmi les favoris de médaille. Donc il faut faire un petit peu. Il faut faire attention pour eux. Ils jouent devant leur public qui attend beaucoup. Après un peu, vous l'avez rappelé, leur déconvenue contre la Pologne, quoique la Pologne a fait match nul dans le match précédent, celui-ci, avec la Suède, championne du monde en titre. Mais toutefois, les Canadiens n'ont pas convaincu ni leur public, ni les observateurs qui étaient là au cours de ce match. Voilà, et le numéro 13, Yaremchuk, là, qui a hésité une seconde à tirer. Yaremchuk, qui est un des jokers de cette équipe, c'est un centre hyper rapide. Avec Craig, là, qui était venu, lui aussi, l'ailier, qui était venu vers le but et qui n'a pu se saisir du palais. Récupération Carpan. Greg, ou Grig, si vous voulez. Carpan tout seul, tire, contré. Change d'aile. Bagarre contre la balustrade pour la récupération du palais. Récupération par Malinowski. Il perd le palais. Et c'est Craig qui revient le chercher. Loin devant. Voilà toujours cette technique dont vous parlez, dont vous parliez Thierry. Une technique qui demande évidemment une condition physique assez exceptionnelle car il faut aller au fond de la patinoire et plus vite que la terre. Absolument, absolument. Ça demande quand même. Et c'est dangereux car les mises en échec peuvent être évidemment brutales. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Vaughn Carpan que l'on voit ici.
auteur du tir et de l'action que l'on revoit maintenant, Carpan, qui était dans l'équipe olympique canadienne de 1984. On ne le répétera jamais assez, je crois qu'il faut aussi que les téléspectateurs sachent que ce n'est pas la meilleure équipe possible au Canada, puisque les professionnels ne sont pas là, à part un ou deux qui ont été prêtés par l'organisation de la Ligue professionnelle. Et Bradley tout seul, là, et le palais est parti en public. Imaginons une équipe de France de football sans les Fernandez, sans les Passy, sans Bat, avec des joueurs seulement de 3e voire 4e division française de football. Imaginons ça et ça donnerait l'équipe nationale française de football. Mais par exemple, les Edmonton Oilers, qui jouent le célèbre Tatsky, jouent ce soir et après-demain soir à Edmonton, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Le championnat nord-américain continue pendant les Jeux. Business oblige. Tout à fait. Mais peut-être, je lisais dans Hockey News, que si par chance les Canadiens gagnaient la médaille olympique en 92 pour Albertville, eh bien il n'est pas probable que cette médaille olympique pourrait attirer les joueurs professionnels par son prestige. Oui, à la condition que les Soviétiques et les pays européens puissent jouer dans les circuits professionnels un jour. Alors, je crois que ce sera à partir de là, disons, le détonateur de la crédibilité au Canada de la médaille olympique. Marc Abscheide sur l'aile gauche. Toujours Abscheide. Non. Erreur là, de la défense canadienne qui était derrière la ligne bleue. Elle aurait dû être sur la ligne bleue. Un petit peu en retrait. Qui provoque maintenant ce hors-jeu. On peut noter au cours des 5 premières minutes, donc déjà, une domination canadienne qui s'organise dans la zone neutre mais qui a du mal à s'organiser par contre dans la zone d'attaque, à s'installer réellement dans la zone d'attaque de Suisse, de défense suisse, et à évidemment être dangereux au niveau de la seconde de Suisse. Seulement 3 lancers contre le gardien suisse, ce qui est peu dans un match de ce niveau en 5 minutes. La remise en jeu est gagnée par les Canadiens. C'est les Suisses qui récupèrent avec Brazet, qui n'en point devant là. Le palais va être bloqué certainement. Non, il est dégagé par Schreiber et c'est Mazzoleni, le capitaine suisse, qui a récupéré avec maintenant Brazet à nouveau derrière. Burkhardt devant récupération canadienne par Zalatsky. Le tir de Carpan arrêté par le gardien suisse. Craig à nouveau. Il y avait une déviation pour Carpan, mais Carpan était bloqué par la défense suisse. Très belle combinaison des Canadiens. Comme Bellini là qui essaie de récupérer le palais contre la balustrade. On vit à plusieurs. On vit des douceurs au coin de l'oreille. L'arbitre laisse jouer maintenant l'arbitrage parce que maintenant la nouvelle règle interdit à ce que le palais soit bloqué par un joueur, donc il faut absolument que le palais soit jouable au long de l'arbitrage. Un tir du numéro 15, Joyce. Attention, un nouveau tir canadien. Allez, les Canadiens là qui se font très très fort. Il y avait une petite erreur du gardien suisse qui était tombé ici. Les Suisses se dégagent bien. Dégagement interdit. Felder laissait passer la tempête en se dégageant et en pouvoir se réorganiser. Alors que le public a l'air de comprendre que son équipe est en train de se mettre en route. Il y a eu effectivement 2-3 actions dangereuses contre le gardien suisse. Gardien suisse qui, sans vouloir dévaloriser est quand même très très chanceux sur les quelques tirs canadiens. Dégagement est gagné à nouveau par les Canadiens. Il domine dans ce compartiment. Récupération avec Peplinski. Oui, c'est ce qui permet d'organiser le jeu. Là, les Suisses ont récupéré.
avec Célio. Derrière pour Lucky. Notre attaque avec Bradley. Bradley devant, non. Pour Abside, il n'a pas pu. Voilà, le palais est sorti maintenant. Kuklinski n'a pu lancer ce palais vers le gardien suisse. Célio à l'attaque pour la Suisse. Avec Mazzoleni. Qui perd le palais. Et c'est Sean Burke qui a bien contrôlé le gardien canadien. Le Canada, dont il possède deux très grands gardiens, Sean Burke et Andrew Mogg. Certains disent même que ces deux gardiens de l'équipe nationale sont meilleurs que la plupart des gardiens des équipes professionnelles du championnat nord-américain. Encore les Canadiens à l'attaque avec Yaremchuk, qui passe derrière le but. Il cherchait la crosse de Schreiber. Les Suisses récupèrent. Maladresse. Yaremchuk. Yaremchuk toujours. Un peu isolé là. Mauvais positionnement de l'arrière. Zalatski. Zalatski qui est le plus jeune joueur de cette équipe canadienne. Qui passera certainement professionnel après les Jeux. Et un superbe tir là de Chervène. Un rebond risqué du gardien. Et la cage a été déplacée, donc l'arbitre a sifflé. Chervène là qui a été extrêmement dangereux. Et le gardien chanceux, il faut le répéter. Mais ça fait partie du talent d'un gardien d'être chanceux. Revoit le tir de Chervène. Repoussé par Boucher. Et là, il a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de joueur canadien qui soit devant pour pousser ce palais dans la cage. Oui, car les Canadiens, les Nord-Américains sont toujours en embuscade pour prendre les rebonds des gardiens. Et là, effectivement, il n'y avait personne, qui est rare. Alors que nous arrivons à la mi-temps de ce tiers-temps. Et nouveau tir de Greg. Avec une contre-attaque maintenant de Leuenberger qui récupère le palais. Un petit peu isolé là, les Suisses n'ont pas cru à cette attaque. Opération avec Kolicker qui tire vers l'avant. Kolicker à l'arrière récupère le palais. Derrière pour Boucher, Gaëtan Boucher. À confondre avec le patineur de vitesse. Qui est un joueur naturalisé, canadien, naturalisé, suisse. Qui joue en Suisse depuis une douzaine d'années déjà et qui a opté pour la nationalité suisse. Qui joue à Sierre. Sierre. En dessous de Cran. Montana. Bien connu pour sa descente. Tout à fait. Dégagement interdit au profit des Suisses. Alors qu'on voit le premier ministre canadien dans les tribunes, Ryan Mulroney, pour lui encourager avec sa famille. Remise en jeu dans le camp canadien. Avec Weger pour la Suisse. C'est gagné par le Canada grâce à Tambellini. Roy, loin devant. Un palais qui repasse de l'autre côté. C'est curieux ça. Mazzoleni et tire de Hollenstein.
Claude Villegrain pour le Canada. Récupération avec le Schreiber et une bagarre furieuse devant les buts de Boucher. Récupération suisse avec toujours Hollenstein qui se fait bousculer, qui va perdre le palais. C'est Yonet peut-être pour le Canada qui le récupère, qui dégage son camp. Le Canada à nouveau à l'attaque avec Pepinski. Pepinski tire et c'est bloqué par Boucher. Non, le palais est encore vivant. Nouveau tir de Waters. Oh là là, la bagarre est furieuse. Il y a maintenant un troisième tir de Stiles. Le dernier coup, la deuxième fois en quelques secondes, a perdu sa crosse. Quelle chance. Ah, c'est fantastique cet instant du match. Les Canadiens sont acharnés sur le but suisse. Encore un tir. Le choix terrible au milieu de la patinoire. Avec le numéro 4 canadien qui reste allongé, Anthony Stiles, qui reste KO complètement sur la glace. On va sûrement revoir ce choc à ralenti. Terrible entre le Suisse et Stiles, le Canadien. Ça, il a le souffle, il a dû avoir le souffle coupé. Alors que l'on voit Dave King, le coach canadien, qui doit se dire damné gardien suisse, qui est décidément bien chanceux. Oui, alors que l'accident a l'air quand même assez grave. Oui, Stiles n'a toujours pas bougé. Non. Alors qu'il est venu pour frapper en quelque sorte tout à fait régulièrement le joueur suisse. Ah, on va le revoir. Ah oui, mais le joueur suisse... Et il a la tête qui a heurté par terre. Le joueur suisse était levé, j'ai sauté. Je crois surtout qu'il y a eu un coup de coude du... Le joueur s'est levé, tout son poids a donné le coude dans le visage de Steele, qui est là vraiment complètement KO. Le soigneur, le médecin de l'équipe nationale canadienne est venu sur la glace. C'est étonnant, c'est que le joueur ne bouge pas. Il n'a pas bougé d'un centimètre encore. Si, ça y est, voilà. Bouger les jambes. On le revoit très très bien sur cette action, le coup de coude du joueur suisse qui s'est protégé. Je pense qu'il n'y a eu absolument aucune volonté de faire mal, ni de l'un ni de l'autre. Une simple percussion. Il faut dire que c'est quand même un incident rare, parce qu'il est rare que des joueurs soient blessés gravement dans le hockey. Je crois qu'il faut le répéter pour tous les gens qui souhaiteraient emmener leurs enfants dans les patinoires français, jouer au hockey, ce n'est pas un sport dangereux. Il est même moins dangereux qu'un certain nombre d'autres que je ne nommerai pas. Les joueurs sont protégés. Il y a peu de blessures musculaires. Bon, il y arrive comme partout. Et aujourd'hui, en plus, avec les protections de plus en plus importantes des joueurs de hockey, il y a de moins en moins de fractures, il y a de moins en moins maintenant, il y a des casques, des protections faciales, etc. Tout à fait. En plus, les jeunes joueurs doivent porter des masques maintenant pour jouer des grilles, de façon à éviter les blessures au visage, comme dans le temps, les dents cassées, etc. Donc c'est un sport qui est maintenant très protégé. Je crois que d'ailleurs la Ligue internationale a eu raison de prendre un certain nombre de mesures pour les jeunes. Et Anthony Stiles, là... Petit à petit, j'ai l'impression, reprend un petit peu connaissance. Voilà, il se relève. Et pourtant, c'était le joueur le plus costaud de son équipe canadienne. Il a été KO pour le temps. Ouais. Voilà, le public canadien qui lui fait une ovation. Je crois qu'il a été sérieusement mis KO. Ouais, il était KO, il n'y a aucun problème. On le voit bien, cette image de la télévision canadienne, CTV. Il sort d'ailleurs, il rentre au vestiaire maintenant pour être soigné. Reviendra-t-il? On n'en sait rien. Il va peut-être aller subir quand même quelques contrôles à l'hôpital, quelques radiographies. Alors après un choc comme celui-là. On peut noter qu'il reste 13 minutes, 12 minutes et demie de jeu et que les Canadiens ont chuté 11 fois sur le gardien suisse, alors que pas une seule fois le gardien canadien a été inquiété par un quelconque shoot des Suisses, qui prouve la domination quand même dans cette première période, même si le score est toujours nul, de l'équipe canadienne. Récupération là, les Suisses qui pour la première fois gagnent un engagement avec Richt. Lucky là qui est à la lutte. Les Canadiens finissent par récupérer.
quelques imprécisions là dans la zone neutre. Les Suisses partent à l'attaque avec Yak. À nouveau les Canadiens. Les Canadiens avec Malinovski. Navigue bien entendu au milieu de la patinoire. Alors que l'on voit le coach suisse, Manchek. Canadien qui a un petit peu d'essai de régime. Sans doute Serge Roy qui tire de loin. Sans doute frappé par la blessure de leur partenaire. Alors que là encore, le gardien a eu la chance. Le shoot n'est pas arrivé sur sa crosse, il est arrivé sur sa botte. Et d'ailleurs, il valait mieux pas qu'il relâche le palais parce que Chervan, le numéro 10, arrivait comme un bolide. Et d'ailleurs, il est arrivé le premier sur le gardien suisse. Toujours 0-0. Il reste 7 minutes 26 à jouer dans cette première période. Ah, c'est étonnant que l'arbitre ne siffle pas. Ouais, avec ce palais là qui est venu se bloquer. Ouais. D'ailleurs, le joueur suisse ne le jouait pas, n'essayait pas de le reprendre. Il pensait que l'arbitre allait siffler, j'ai l'impression. Donc une remise en jeu. Un des deux points de remise en jeu devant le gardien suisse. Canadien gagne à nouveau et un tir de Perry. Deuxième tir derrière de Chervan, bloqué par Richard Boucher. Bien placé sur cette action, je reconnais. Chervan que l'on voit là, qui lui aussi était dans l'équipe olympique canadienne de Sarajevo. Depuis 1968, les Canadiens n'ont pu obtenir une seule médaille olympique en hockey sur glace. La dernière était française, ou presque, à Grenoble. Derrière l'URSS et les États-Unis, l'URSS et la Tchécoslovaquie. C'est livré là aussi un match mémorable pour des raisons avec un contexte politique autour de cela. Il avait fait un match qui avait auguré des événements quelques mois après. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque les chars soviétiques sont rentrés à Prague, les Pragois avaient inscrit le score du match Tchécoslovaquie-URSS qui avait eu lieu à Grenoble. Pour vous dire l'importance de bloqué dans ce pays. Les Canadiens qui se font toujours pressants, qui tirent à maquillon. On est à 14 tirs à 0 là pour le moment. La bagarre pour la... Les Canadiens qui restent toujours mettre dans le jeu le nom de la balustrade. Hein, tout à fait. Le Suisse en contre-attaque avec Schlaganov. Là, ça aurait été la surprise si le palais était rentré. Premier shoot, premier tir et premier coup dangereux pour les Suisses. Schreiber qui est parti sur la gauche de la patinoire. Avec une mise en échec là, plutôt rude de Serge Boisvert à l'encontre du Suisse. Bonne volée. Koliker. Une bonne volée. Lui.
Une bonne volée de bois vert, c'est bien ce que vous vouliez dire. Oui, on avait compris. Les Suisses se font maintenant un petit peu plus dangereux depuis un moment avec Brazel sur l'aile droite avec le soutien maintenant de Hollenstein. Donné un tir bloqué par Schoenberg et quelques gentillesses et quelques douceurs échangées devant la cage. Toujours l'impuissance côté canadien, 14 tirs, pas un seul but. Tire la Suisse qui était contrôlée par Schoenberg. Chervan à l'attaque avec Abscheid. Abscheid qui perd le palais, qui passe à personne. Et les Suisses repartent courageusement. Tire de Yax. Abscheid récupère pour le Canada avec Greg. Jacques qui va chercher ce palais. Il envoie loin de l'autre côté de la patinoire, il y a un dégagement interdit. Et a signalé Thierry, qui est étonnant dans un match avec une équipe canadienne et puis une équipe européenne, et qu'il n'y a pas eu encore une seule prise. Oui, j'étais justement en train d'y penser. C'est vrai qu'il faut le dire, on ne s'inquiétera pas assez, que le tournoi olympique se passe dans la vraiment une totale correction, contrairement à un certain nombre de matchs, même européens. Mais je crois que les arbitres maîtrisent très très bien les joueurs. Le règlement est appliqué de façon très stricte, avec une relation intelligente. Et de façon très intelligente, tout à fait. Et je dois dire que, par exemple, sur ce match, il y a un certain nombre de charges viriles, mais il n'y a pas du tout de brutalité volontaire ou quoi que ce soit. Et ça, je crois que c'est très agréable pour nous de voir des matchs qui sont finalement très académiques, avec un certain nombre de retournements de situation qu'on a pu voir au cours des précédents. Celui-ci fait partie de ces matchs puisque la Suisse est en train de résister, je dirais, à l'ogre canadien. C'est vraiment un plaisir pour nous et pour les téléspectateurs de pouvoir voir ce genre de hockey. Contrairement aux images habituelles où l'on voit beaucoup, beaucoup trop de bagarres malheureusement dans ce sport. Je précise, en Amérique du Nord bien sûr. 4 minutes à jouer dans la première période. Et les Suisses, c'est un petit signe, ça, depuis, ça fait déjà 3 ou 4 fois maintenant qu'ils gagnent les engagements. Oui, les Canadiens qui, depuis la blessure de Stills, ont complètement perdu leur cohésion, peut-être ont-ils été traumatisés par cette blessure. Souvent, ça arrive, vous savez, lorsqu'on voit un de ses camarades de jeu blessé plus ou moins gravement, bien que nous ne pensons pas que ce soit très grave cette blessure, mais enfin... C'est chaos, simplement. Voilà, mais les joueurs ont peut-être pris un petit coup au moral, et comme ils n'arrivent pas à concrétiser... Ils baissent un peu les bras, ça s'est passé hier pour les États-Unis dans le match contre la Tchécoslovaquie, ils sont démarrés très fort et puis finalement, à force d'échouer à un moment donné, on se lasse et puis on perd psychologiquement un petit peu de ses moyens. Bon, les Suisses qui avec Mazzolini et puis maintenant Eberle ont menacé les cages de Schoenberg et c'est un tir maintenant du Canadien Carpan et bien une pénalité différée. Contre un joueur suisse, ce sera la première prison de ce match. Contre le numéro 14, Brazel, semble-t-il. Oui, qui a retenu le joueur. Ce sera hooking en anglais et retenir en français. Voilà le geste de l'arbitre, monsieur Girka. Alors ça, c'est quand même un coup dur à 3 minutes de la fin de la première période pour les Suisses qui vont devoir jouer à 4 contre 5 contre une machine bien huilée dans leur jeu de puissance.
que sont les Canadiens. Patrice Brazet, qui est donc écopé de 2 minutes de prison. Un joueur de Fribourg. J'ai l'impression que l'arbitre n'est pas... Une petite contestation là. Alors là, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un désaccord entre les deux arbitres apparemment, non? Je pense qu'il y a un désaccord simplement sur le joueur qui doit aller en prison. Ah, ils décident du côté où... Alors que pendant ce temps-là... Non, c'était bien ça, c'était pas le même joueur, j'ai l'impression. Si, c'est tout à fait ça. Il y avait discussion sur le côté de prison. Ouais. Parce que pendant ce temps-là, le public canadien, 20 000 personnes, sont en train de faire une vague tout autour de la piscine, c'est-à-dire que c'est extraordinaire. Ici, on appelle ça le surf. Le surf, oui. Alors, dans un stade de 70 000 places en plein air, c'est impressionnant. Je suis sûr que dans une patinoire de 20 000 personnes, alors là, c'est carrément fantastique. Dans un lieu fermé et clos. Alors, comment les Canadiens vont s'organiser pour essayer de marquer ce but qui peut-être les libérerait. Il est important. Tir de Zelatsky, ah, qui rate son tir. Les Suisses se dégagent. L'un d'eux va essayer de gagner du temps. Attention au contre et à la défense. Oh là là! Le gardien Burke là qui s'est retrouvé un peu tout seul. Les Suisses en sortent pas mal là pour le moment. Il y a presque une minute bientôt que leur joueur est en prison. Changement de ligne, les Suisses en défense. Donc, derrière Zalatsky et Tambellini, c'est peut-être deux que viendra le tir. Pour le moment, c'est Abshake là, qui est à l'arrière. Avec Chervène. Chervène qui cherche un partenaire, qui cherche au milieu Steplinski. Et les Suisses se dégagent à nouveau. Ils jouent très très bien le power play, les Suisses. Là, ils sont en infériorité. Voilà, les Canadiens qui vont tenter d'aller au bout, s'organiser. C'est Guillonnet là qui va pousser assez loin. Tir de Roy, Serge Roy. Et le palais n'est pas contrôlé. C'est Bradley là qui l'a récupéré. Le gardien qui a reperdu sa crosse. Incroyable, incroyable. Ça, ça va lui poser un petit problème peut-être. C'est invraisemblable ce qui se passe. Récupération avec Lutti. Voilà, il a récupéré sa crosse. La troisième fois depuis le début de la... Et il reste une minute dans cette première période. Dégagement avec Célio. Punition terminée. Les Suisses ont sauvé, je dirais, le jeu de puissance qu'ils avaient de la part des Canadiens. C'est quand même assez étonnant. L'attaque avec Yaremchuk. Yaremchuk tout seul. C'est le tour de la cage. Il revient vers la ligne bleue. Et la cage a été déplacée, donc l'arbitre a sifflé. Ah, les Suisses en sont bien sortis. Ils ont vraiment lutté avec leur cœur pour dégager leur terrain. Ce gardien qui est chanceux, qui perd sa crosse 3 fois dans la première période, mais il y a toujours un sacré qui traîne pour hâter le palais. Ça va pour bac. Et il a peur de rien, regardez, parce que pour plonger au milieu de patins comme ça, qui vont dans tous les sens, il faut avoir vraiment avoir un gros gros cœur. Il est très spectaculaire. Et confirmation aussi Thierry du fait de ce que nous avions vu du Canada contre la Pologne, une certaine stérilité de l'attaque canadienne. Oui, c'est étonnant. Je me pose la question pourquoi le Canada qui a à l'extérieur du Canada réussi des résultats tout à fait étonnants. Comme cette équipe avait gagné le tournoi des Vestia contre à Moscou contre l'Union Soviétique. Voilà, qui est le tournoi, je dirais, qui appartenait presque à l'Union Soviétique. Ils l'ont gagné contre toute attente. Ils ont fait des matchs extraordinaires, des matchs amicaux extraordinaires dans le cadre de leur préparation. Et voilà le deuxième match qu'ils disputent chez eux, au Saddle Dome, devant leur public, devant 20 000 personnes acquises à leur cause. Et ils n'arrivent pas à concrétiser 1-0 devant la Pologne.
0-0 au bout de la première période de ce match contre la Suisse, c'est assez étonnant et même peut-être inquiétant pour, ce, pour je dirais, les favoris du tournoi olympique au départ de cette compétition. Eh bien, dans quelques instants, nous saurons si la deuxième période leur sera plus profitable, alors que le héros du match, eh bien, c'est Richard Bucher, le gardien suisse qui s'en va là vers les vestiaires. On se retrouve dans quelques secondes. Le mec il est pas beau hein. Ah, il est bien juste. Je suis à côté d'un autre CD sexuel, c'est un peu mon problème. Nous revoici donc pour le deuxième tiers-temps avec maintenant l'équipe suisse qui joue à gauche de l'écran, toujours en maillot rouge contre le Canada en maillot blanc à droite de l'écran, de la droite allant de la droite à gauche et les Suisses allant de gauche à droite. Le problème pour les Canadiens maintenant c'est de marquer, concrétiser leur domination. Au cours de la première période, les Canadiens ont tiré 18 fois contre le gardien suisse. Et les Suisses seulement 6 fois contre le gardien canadien. C'est un chiffre tout à fait significatif de la domination canadienne qui malheureusement ne se concrétise pas. Alors que là, l'arbitre siffle une faute, un hors-jeu de ligne. De deux lignes, un hors-jeu de ligne rouge. Lorsque la passe a franchi les deux lignes. Et l'engagement se fera là où au milieu il n'y a pas. Canada, c'est Berry, avec encore un Bucher qui est bien chanceux. Récupération avec Charène à la lutte, qui perd le palais. Et c'est les Suisses maintenant qui partent en contre-attaque avec Eberle, perd le palais, récupération par Abscheid. Pardon et Mazzoleni à ce petit jeu-là ont perdu le palais en récupération. Non. C'est bien les Canadiens qui récupèrent avec Yonet.
qui va recevoir le soutien de Zalatsky. Voilà, c'est fait, Zalatsky sur l'aile droite, jeune arrière de cette équipe canadienne. Que Licker a pu dégager. À l'arrière pour Water. Lance devant. Ilgrin qui perd le palais. Attaque de Burkhardt. Tire de Burkhardt. En conviction, en tout cas bien arrêté par Schoenberg. Nouveau Water à gauche, change d'aile. Retour au centre pour Tambellini. Tire de Tambellini, mais dans un angle très fermé. Parti à droite avec Lühenberger qui perd le palais, récupéré par Trintionnet. Trintionnet à droite maintenant. Une passe de très loin à la canadienne. Et les Canadiens changent de ligne. Craig pour Célio. Wallenstein pour venir chercher le palais. Derrière la cage de Burke. Célio. Célio tire à côté. Récupération canadienne avec Malinowski. C'est tout et n'importe quoi actuellement. Et en jeu cité par l'arbitre, monsieur Pilot. Les Canadiens qui n'arrivent pas à trouver la faille, qui n'arrivent pas à concrétiser leur domination, s'organisent bien dans leur zone de la zone neutre, mais n'arrivent pas à trouver la faille de cette défense suisse qui lutte jusqu'au bout pour sauver leur gardien, le gardien qui a beaucoup de chance. Comment vont réussir les Canadiens à trouver cette fameuse faille qui leur a fait tant défaut dans le match contre la Pologne et qui a l'air de à nouveau de continuer à être dans cette rencontre contre la Suisse. Bien qu'il perde le palais, c'était une bonne position, c'est peut-être ainsi qu'il a perdu. Ça revient, tir de Roy, bien contré par Decher, et nouveau tir peut-être de gardien, mais encore à faire. Le gardien était touché, était tombé, le joueur canadien en a profité pour reprendre ce palais, profiter du rebond qu'a donné Decher. On va sûrement le voir au ralenti, c'est sur un de ces fameux rebonds qu'a fait tout au long de la première période Decher, mais là, vous voyez, il relâche le palais. Et il tombe et il y a un joueur en handicap qui marque. Et là, je crois que c'est vraiment une reprise de volée de Wavert, notamment. Je crois qu'on peut le dire maintenant. C'est tout à fait l'occasion. Alors qu'on revoit tout à fait au ralenti cette reprise. Wavert qui avait eu un petit incident match précédent, on voit son œil gauche abîmé. Avec une assistance de Serge Roy pour ce but. Voilà, 1 à 0 pour le Canada. Ça va peut-être les décontracter. Serge Roy qui, je le rappelle, joue en Europe, joue en Suède et vient régulièrement avec cette équipe canadienne pour l'entraînement qu'ils ont consacré à la préparation olympique. 1-0 au bout de 25 minutes de jeu. Les Canadiens ont enfin trouvé la façon de marquer un but alors qu'ils ont dominé 22 tirs au but contre 7. Et nouveau tir de Gordon Chervin qui passe juste à côté. Ça tire très appuyé, très enlevé. Et puis son contre-attaque avec Neuschwander. Neuschwander qui passe derrière le gars, la cage de Burke. C'est de faire le contrôle du palais. Récupération avec Brazet. À nouveau Neuschwander. Remet au centre, mais c'est Water qui contrôle le palais, qui a réussi à contrôler le palais. À nouveau Neuschwander, ah, il aurait pu être dangereux là, mais ça n'a pas trompé Burke.
Les tentatives suisses sont un peu désespérées avec Peplinski qui a réessayé la même tactique que celle de Neuschwander tout à l'heure. Peplinski a perdu le palais et les Canadiens se dégagent. Il ne plaît pas vraiment forcément au public. Récupération canadienne avec Tambellini qui est passé les défenseurs. Un équipe se dégage finalement. Le tir de loin de Kulliker. Récupération canadienne avec Schreiber. Schreiber change de côté pour Craig. Interception de Boucher. Et maintenant, Félix. Tir instantané, dangereux. Les Suisses qui depuis le bout des entrées ont dominé. Ils font mieux que résister dans cette période. Le grain qui a passé, non. Revenir à l'arrière avec Craig. Loin à droite là-bas. Et Bradley s'est fait subtiliser le palais. J'ai un peu au volet, là c'est un petit peu dangereux. Boisvert s'est retrouvé tout seul devant Richard Blucher. Ce Boisvert est décidément extrêmement dangereux. Ils sont tout le temps à l'affût là devant le gardien. Boisvert qui vient du Québec. Un des rares joueurs québécois de cette équipe et qui est affilié au Canadien de Montréal. Il joue effectivement dans un club ferme du Canadien de Montréal. On appelle un club ferme, c'est-à-dire le réservoir, le type de 3e division par exemple, comme sur un club de football français. Wow. À gauche, là, il n'y avait personne. Il a cherché la balustrade. Les Canadiens se font dangereux maintenant. On s'attaque avec Célio qui a perdu le palais. En récupération par Hollenstein. Et l'arbitre a quitté. Deux minutes. Kulliker au premier plan. Et la patinoire est pleine. 20 000 personnes au Stadel Dome de Calgary pour ce Canada-Suisse. Récupération par Zalatski. Zalatski. Punition pour les Suisses. Vous allez voir. Une punition très, très étonnante et rare. Alors voilà. Le joueur suisse a été un petit peu violenté par un joueur canadien devant l'arbitre. Celui-ci n'a rien dit, n'a pas donné de punition au joueur canadien. Et le joueur suisse, le numéro 19,
Peter Jack a tellement râlé récemment dans des termes peu aimables auprès de l'arbitre que celui-ci l'a envoyé en prison pour anti-jeu, je dirais, pour peut-être grossièreté, ça je ne l'ai pas entendu. Et c'est donc pas une punition pour les deux. On va entendre. Flashing. Oui, mais ce n'est pas un flashing. Enfin, je ne sais pas, je dire à l'arbitre, mais c'était pour, à mon avis, une question de méconduite. Là, c'est très très bien remarqué la faute. Engagement gagné par la Suisse avec finalement Tambellini qui récupère le palais. Alors, l'occasion pour les Canadiens de marquer un deuxième but dans ce jeu de puissance qui évidemment les libérerait complètement. Ah, les Suisses se dégagent là maintenant. Serre un petit peu. On voit le palais de l'autre côté de la patinoire. Tambellini. Pointé contre la balustrade, récupération avec Eberle. Bêtement le front. Ah, le Canadien qui joue mal. Voilà. Ça part très vite avec Schreiber. Tir de Schreiber et le palais part dans le public très très haut. Alors même au deuxième niveau de la patinoire. Les Canadiens qui ont du mal à s'organiser sur ce jeu de puissance, qui est rare parce qu'en général, ils excellent dans ce domaine. Mais là, les Suisses ont bien joué le coup. Ils vont vers le joueur, l'obligent à faire l'erreur et obligent les Canadiens à ne pas pouvoir s'organiser. Alors qu'on voit deux feuilles d'érable sur deux charmants Canadiens. Charmant étant peut-être un petit peu exagéré. Toujours les Canadiens à l'attaque et Roy avec Lyonnais. Récupération là derrière le but. Non, non, les filles n'arrivent pas à se dégager. Roy qui va tirer. Non, qui passe à Bradley. Les Canadiens Bradley sont bien installés là dans la zone. Bradley qui cherche peut-être Peplinski. Ah, il cherche la déviation de Peplinski. Là, Boisvert et Peplinski étaient malheureusement bloqués au centre de du carré de défense. Bradley qui tire le long de la balustrade pour changer d'aile, mais le gardien Boucher est sorti. Les filles peuvent se dégager avec Célio. Un tir bien placé. Voilà, fin de pénalité pour le joueur suisse. Les deux équipes sont égalité. Bradley tout seul. Tir de Bradley. Et le but droit. Et là, la faute du gardien. Il sera refusé sûrement. Que le gardien cherchait le palais. Non, il est refusé parce que l'arbitre avait sifflé avant. Non, c'est tout à fait logique, le public râle, mais l'arbitre avait sifflé avant car le gardien l'avait bloqué. Le moment où l'arbitre a sifflé, évidemment, il s'est décontracté, le palais est tombé puisqu'il était entre les jambes. Oui, il ne savait pas où il était. Non, mais enfin, il était entre les jambes. On revoit. Oui. Regardez, il cherche le palais. Il a sifflé, et à ce moment-là, le palais retombe. Oui, il est retombé derrière. Évidemment, les gens n'ont pas entendu l'arbitre siffler parce que tout le monde avait hurlé de joie. L'arbitre, c'est un arbitre. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est tchèque ou s'il est allemand. On nous l'annonce ici tchèque et on nous l'a annoncé sur l'écran allemand. Monsieur Jirka. Je pense qu'il est tchèque. Zalavski. Pour Malinovski. Ah, il patine vite, les Canadiens, il patine très très vite. C'est un beau patinage. Récupération suite avec Lucky, moins devant. Et là, il a contrôlé. Dégagement interne.
le Go Let's Go Canada. Avec des centaines de drapeaux dans la patinoire, un peu partout. Jeff King. On mâche son chewing-gum d'énervement. Attention au tir de Zalatsky. On a voulu faire une passe au centre pour Abshag, ça n'a rien donné. Charveno à la lutte, récupération Brazet. Et là, contre-attaque de Eberle. Là, une passe ratée pour Hollenstein. Oui, il faut dire que les Suisses veulent jouer un petit peu avec un homme en pointe et cherchent à faire le trou, je dirais, avoir un homme en pointe. Et ça fait deux fois que la passe de l'arrière est ratée vers le joueur de centre, celui qui se trouve en pointe à ce moment-là, effectivement. Il y a eu automatiquement, je dirais, le dégagement interdit. C'est la deuxième faute en quelques minutes de défi. Sinon, à vrai dire, un peu que cette formule pour pouvoir tenter d'enrayer, je dirais, la machine canadienne. C'est-à-dire avoir une bonne défense, quatre joueurs derrière et puis un avant de point qui tente un petit peu le break. Malheureusement, il y a imprécision dans leur passe et ça fait le dégagement interdit. On revient dans leur zone, ce qui est quand même dangereux car les Canadiens prennent beaucoup, beaucoup d'engagement. Et on a passé la mi-chemin du match puisqu'il ne reste plus que 9 minutes 05 secondes à jouer dans cette deuxième période. Mauvais contrôle de Yonet. Voilà, et l'arbitre là qui fait une erreur. Et il y a une fausse qui crée contre l'arbitre, c'est tout à fait normal. Contre le gardien. Le gardien, oui, tout à fait. Contre Schoenberg qui a proprement enlacé et empêché le joueur suisse de se déplacer et de bouger. L'arbitre qui était loin l'a très bien vu. Il va y avoir un joueur de champ canadien, j'imagine, qui va aller en prison. Ça l'amuse le gardien. On voit bien. Ouais. Hein. Voilà, il a cafouillé son truc, finalement il a eu tout ça. Genre de geste qui doit faire plaisir à Pierre Salviac, tout à fait dans la lignée du rugby. C'est vraiment un plaquage. Sean Burke, un des grands gardiens canadiens. C'est Claude Villegrain qui va en prison. Il y a toutes les forces du hockey canadien, les gardiens de but. À chaque fois, les Canadiens, à chaque grand tournoi, sortent un ou deux gardiens de très très grand talent qui après vont vers le... On se souvient de Mario Gosselin et Sarajevo qui joue maintenant, je crois, au Canadien ou au Nordique de Québec. Nordique de Québec. Nordique de Québec. Qui était venu à Paris d'ailleurs, tout à... après le tournoi olympique, inaugurer la glace de Bercy. Et... Gosselin qui avait reçu un triomphe d'ailleurs à cette occasion à Paris. L'entraîneur de l'époque de l'équipe canadienne qui est maintenant l'entraîneur des Canadiens de Montréal. Les Suisses qui gagnent l'engagement, Kelliker. Ah, oh, très belle passe de Kelliker vers Schlageno. Et vous voyez l'importance de la prise de l'engagement dans le hockey. Et là, pour une fois, les Suisses l'ont pris et immédiatement au revoir, vous voyez. Très important. Les Suisses le prennent, passe derrière. Pour l'aile gauche. Voilà. Et un joueur bien démarqué. Instantanément. Sans attendre. Deux volets. Le shoot est pris. Un très très joli but. Très joli but. Sur lequel vraiment ne pouvait rien faire. Mais cela dit, il faut s'en vouloir d'avoir de sa petite erreur précédente qui a obligé les Canadiens à faire 4 contre 3. Ouais, tout à fait, c'est le gardien là qui est vraiment à l'origine de ce but. Un partout donc entre le Canadien et la Suisse et tout à refaire pour les Canadiens. Tout à fait. C'est quand même assez étonnant dans ce tournoi olympique de voir des équipes vraiment favorites au-dessus du lot. Sont mis en échec, ont beaucoup de difficultés. Je crois qu'on peut redonner la palme de
de ces équipes, je dirais pas de tableau quand même, qui font des résultats. Je vais donner la palme à la Pologne qui vient de perdre un partout contre la Suède, championne du monde en titre, qui a perdu 1-0 seulement contre le Canada, un des grands grands favoris de ce tournoi chez eux. Et la Pologne qui joue dans le groupe B. Pologne qui joue dans le groupe B, tout à fait. Mais qui a déjà eu l'expérience du groupe A quand même. Pas longtemps. Pas longtemps. Ils ont un phénomène d'ascenseur, ils y sont allés, ils sont redescendus tout de suite. Un peu comme les Suisses d'ailleurs. Oui, car sur les 8 équipes du groupe A, il est vrai que la 8e fait vraiment une apparition dans chaque tournoi et est rétrogradée pour ainsi dire immédiatement dans le groupe B. Vraiment 7 grandes nations dans le hockey mondial. Galavski. Les Suisses qui subissent la pression canadienne. Rantchouk. Dégagement suisse avec Peter Jacques. Les Suisses qui essayent de travailler intelligemment là. Tant. Les deux, alors là, les deux vont plus loin. Première erreur d'arbitrage pour moi, parce que vraiment le gardien de but a fait une faute. Oui, à l'origine, oui. Un peu impardonnable. Et là, devant l'arbitre, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas sifflé. Du coup, n'ayant pas sifflé la première faute, il y a eu une altercation entre le joueur arrière canadien et le Tambelli et le et Thomas Brabeck. Voilà, et c'est dommage parce que c'était vraiment pour moi le gardien qui avait fait la première faute. Très agressif ce gardien en tout cas. Il avait poussé un peu violemment. Il avait eu même un mauvais geste de dos avec sa crosse. Simon Schenk, que l'on vient d'apercevoir, le coach suisse, et maintenant Dave King. Les deux équipes vont donc jouer maintenant à 4 contre 4. Et à ce jeu-là, on pourrait peut-être donner un petit avantage aux Canadiens, plutôt aux jeux individuels et aux groupes individuels. Il y avait de l'espace, certainement. Dégagement interdit. Non, reviens dans la zone. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas revu la faute du gardien. Il n'y a pas bu, ne vous inquiétez pas, c'est simplement le tableau d'affichage qui indique aux 20 000 spectateurs qu'ils doivent faire du bruit. Et il ne se gêne pas pour le faire. C'est une action dangereuse et un tir dangereux là de Boisvert. L'orgue se déchaîne. Remise en jeu devant les cages, devant la cage de Richard Boucher. Et prise de palais par Gaëtan Boucher. Gaëtan Boucher qui part tout seul là. Et qui tire instantanément. C'est un super tir qui était remarquablement suivi par Schlagenhoff, moteur du but suisse. Ah, quel dommage là, une belle action de Schoenberg qui a bien contrôlé ce palais. Ça repart à l'attaque avec Hollenstein. Qui perd le palais. Les Canadiens récupèrent avec Yaremchuk. Yaremchuk peut-être derrière et un tir de Bradley. Non, Bradley n'a pas tiré. Ah, oui. Trop tard. Pour Yaremchuk. Yaremchuk toujours. C'est bizarre qu'il ne shoote pas les Canadiens. Ouais. C'est dommage. Tir là de Roy. Ils ont raté deux occasions là. Ils ont trop voulu s'organiser. Aller loin, faire du beau jeu. Malheureusement, je pense qu'un tir au but aurait été plus efficace. Les Suisses récupèrent le palais avec Hollenstein qui a voulu donner de l'autre côté à Jacques qui n'a pas repris le palais. Ah, ça va très très vite là. Yaremchuk toujours qui va perdre le palais. Les Suisses reprennent le contrôle, ils s'en sortent bien.
Vous voyez un joueur devant. Derrière pour Mazzoleni. Temporise un petit peu. À l'arrière pour Célio. À nouveau Lindstein. En confusion, la Fausto Mazzoleni. La prison. Donc attaque de Célio. Voilà, les deux équipes sont 5. Oui. À nouveau 5 joueurs sur la glace. Ah, c'est étonnant que les Canadiens n'ont pas pu concrétiser en tirant plus rapidement au but. Revoir Gaëtan Boucher là qui tire. Le tir repoussé et à nouveau le tir de Freddy Lucky. Et le gardien a très très bien anticipé. Gaëtan Boucher, c'est une superbe vacance. Attention à la contre-attaque.
penalty to Switzerland, number 18, Nathan Boucher. 2 minutes for hooking. The time is 17:17. On se retrouve dans quelques instants pour cette troisième période décisive. Magneto. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Il
Ils étaient au courant au bureau ? Que le troisième tiers, ouais, je sais, ouais. Ah oui, d'accord. Donc la troisième, non ? Ouais, on voit. Donc on commence. Là, on a un peu courir. On s'est chauffé. Malgré tout l'humour que j'ai eu. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Stadeldome de Calgary pour la troisième période de la rencontre opposant l'équipe suisse en maillot rouge dont vous voyez ici un des joueurs, Schlagenhoff, qui a été l'auteur d'un but en deuxième période. L'équipe suisse qui est opposée à l'équipe du Canada qui sera en maillot blanc. Les deux équipes sont actuellement à égalité, un but partout. Les deux buts ont été marqués au cours de la deuxième période par Boisvert pour le Canada et par Schlagenhoff pour la Suisse. Autant dire que le Canada qui avait eu du mal à marquer contre la Pologne, le Canada avait battu la Pologne que par 1-0, eh bien connaît la même inefficacité contre la Suisse. Quant à la Suisse, eh bien, qui avait battu la Finlande, c'était une des surprises de la première journée, eh bien, la Suisse concrétise un petit peu ce que l'on sentait, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va être difficile à battre, même par les Canadiens, Thierry. Oui, cette équipe de Suisse qui avait effectivement réalisé un très très bon résultat contre une des grandes nations du hockey mondial, la Finlande, et qui a empêché le Canada de pouvoir concrétiser devant son public. Il faut savoir qu'au cours des deux périodes que nous venons de vivre, les Canadiens ont tiré 32 fois sur le gardien Butcher, qui a réalisé une grande performance, alors que les Suisses ont tiré, eux, 15 fois. Il faut dire que la période commence avec un joueur en prison pour les Canadiens, donc l'occasion pour les Suisses, avec à nouveau un jeu de puissance, de prendre l'avantage, ce qui serait alors vraiment là une très très grosse surprise en début de troisième période.
dans cette poule de la Suisse, et il y a aussi le Canada et la Suède, et c'est la Suède qui tout à l'heure a fait match nul avec la Pologne, là aussi à la surprise générale. La Suède quand même devrait se qualifier pour la poule des médailles, et derrière, eh bien, ce sera entre le Canada, la Suisse et la Finlande, et si la Suisse ce soir battait le Canada, eh bien, ce serait une énorme surprise. Surtout que les 20 000 spectateurs du Saddle Dome de Calgary sont bien entendu tout acquis à la cause canadienne. Un arrêt de Schoenberg, le gardien canadien. Très spectaculaire, mais un garçon qui ne s'en laisse pas compter, qui tout à l'heure a écopé d'une pénalité de 2 minutes de prison. Bien sûr, ce n'est pas lui qui a été. C'est un joueur de champ. C'est un gardien en tout cas qui est assez agressif. Cette erreur d'ailleurs qui lui a coûté au bout de quelques secondes après l'engagement le but d'égalisation de la Suisse, mais qui vraiment a fait aussi une grande partie, est un des points forts de cette équipe canadienne. On peut dire que si Burke avait un problème, il serait remplacé par un gardien de même niveau qui est Andy Mogg, que l'on vient d'apercevoir. Le Canada possédant avec ses deux garçons deux des plus grands gardiens du hockey mondial. On peut le dire puisque Tretiak ayant disparu de la circulation maintenant, non pas disparu, c'est en ayant pris sa retraite, les Soviétiques n'ont pas retrouvé véritablement de très grands gardiens. Ce poste qui est un petit peu à part, l'air Tretiak que vous venez de rappeler, qui est un petit peu la propriété des Nord-Américains. Il y a Peter Lindmark du côté de la Suède. Tout à fait, les Canadiens et les Américains ont toujours sorti des grands gardiens dans les grandes occasions, des tournois olympiques ou des championnats du monde. D'ailleurs, la plupart d'entre eux deviennent professionnels après ces grandes compétitions. Et les Canadiens arrivent à se dégager. Schlagenhoff qui chute, récupération canadienne par Chervène. Et ça repart côté Suisse avec Mazzoleni. Pour Schlagenhoff à gauche, vers le palais. Et le public canadien salue, bien entendu. Une petite erreur là du gardien suisse qui a passé le palais à Chervène. Kolicker qui a cherché ce palais. Les Canadiens reviennent vers l'arrière pour se réorganiser. Ils regagnent du temps à nouveau. Le gardien était tombé, qui regardait ailleurs, parce que sur le dégagement, il a failli être pris au piège. Ça aurait été étonnant si les Canadiens avaient marqué là, et ça aurait été étonnant, mais en même temps pas surprenant, dans la mesure où il y avait un joueur canadien, en l'occurrence Peplinski, qui était devant Richard Boucher, et pas un défenseur suisse. Alors que la prison est terminée. Donc les deux équipes sont à nouveau à égalité de joueurs, et un hors-jeu est sifflé par l'arbitre. Que Frank King vient encourager Peplinski, Devkin, pardon. Peplinski que l'on revoit ici en action. Et qui va se retrouver seul devant la cage. Voilà. Qui a tiré en revers et pas assez puissamment pour tromper Richard Boucher. Et toujours l'orgue du Saddle Dome qui fait l'animation. Engagement gagné par les Canadiens. Le palais échoue dans la crosse de Craig qui lance au centre Schreiber. Vers le palais. Repart pour Ingrin, le joueur, seul joueur noir de cette équipe canadienne. Le joueur de couleur d'ailleurs du tournoi olympique. Tambellini qui a cherché Zalatski. Et un tir de Schreiber contré par Boucher. Zalatski tire avec une déviation de Vilgrin. Malheureusement, la déviation est passée au-dessus de la cage et à côté. Vilgrin à l'arrière. Changement de ligne du côté canadien. Avec une attaque de Zalatski, là, le plus jeune joueur de cette équipe canadienne. Zalatski qui revient maintenant au banc.
Gaëtan Boucher qui dégage et cherchait Slagenhoff. Le public conteste un petit peu la décision de l'arbitre d'arrêter le jeu pour, contre le Canadien, car il estimait que le joueur canadien avait gardé le palais, Malinovski avait gardé le palais. Tout à fait. Merlin qui nous enchante par son jeu depuis déjà quelques temps. Canadien qui n'arrive toujours pas à trouver la faille comme contre la Pologne, cette équipe qui était donnée une des grandes favorites du tournoi. La Suisse qui vient du groupe B, c'est une des équipes avec la Pologne à faire des résultats intéressants dans ce tournoi. Un beau plongeon là de Carpan, mais c'est Boucher qui a repris le palais. Permet aux Suisses de partir en contre-attaque. Récupération canadienne avec Vrabec. C'est Rick Garencouk, pardon. Gaëtan Boucher. Devant pour Kelliker. Tire. Contre-attaque de Malinovski. Ah, les Canadiens. Rick Garencouk. Malinovski tire. Oh, ah, dommage, il aura peut-être pu tirer là. Ouais. Grosse erreur du joueur canadien qui avait le public qui est seul à gauche, complètement démarqué, qui a préféré resserrer une phase dans un angle fermé au troisième. Là, c'est une erreur canadienne. Berry pour Servem. Derrière Zelensky tire. Servem, le but. C'est Servem qui marque ce but-là. Le but du 2-1. Servem est des meilleurs joueurs de cette équipe canadienne. C'est d'ailleurs lui qui, avant ce match, avait le tiré le plus de fois vers les buts des gardiens adverses. 2-1, ce qui déclenche bien entendu une tempête d'applaudissements dans la patinoire. Un premier tir de Zalapski récupéré par Servène. Le gardien complètement caché par les deux joueurs. Et on le voit très très bien. Là, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais toutefois, on peut quand même dire que c'est logique que le Canada mène maintenant 2-1. Ils ont vraiment dominé jusqu'à présent sans pouvoir concrétiser. Vont-ils conserver cet avantage, voire l'accentuer? Il reste 14 minutes et 50 secondes pour le savoir. Zelensky dégage pour Célio loin à droite, mais c'est Zalapski omniprésent à l'arrière qui récupère avec Water sur la droite. Zalapski qui est vraiment le défenseur de base de cette équipe canadienne. Roger pour la Suisse. À droite pour Célio, qui se prend de vitesse. Attention au contre pendant le changement de banc des Suisses. Petite erreur de coaching à l'attaque, Bradley. Bradley derrière pour Teplinski. Teplinski devant pour Bradley. Et il aurait été avec le pied de toute façon si le palais était rentré. Le but n'aurait pas été accepté. Hors jeu, c'est pour la Suisse. Alors qu'on revoit le tir de Chervène qui permet au Canada de mener maintenant 2-1. Chervène qui faisait partie de l'équipe olympique à Sarajevo en 1984, un des rares survivants de cette équipe canadienne. Ce qui prouve les difficultés pour la fédération amateur canadienne de trouver des joueurs pour former ces équipes olympiques, voire au championnat du monde où les pros sont absents. Les pros sont absents, mais pour la première fois dans l'histoire du hockey canadien, Dessing, le coach, a pu travailler 3 ans sur cette équipe. Pendant un an, il a fait une présélection des joueurs. Il a été repéré dans les collèges
non pas dans les équipes professionnelles, mais dans les collèges, dans les universités, en Europe aussi, dans les équipes européennes, pour trouver une base de joueurs. Et puis pendant deux ans, il les a préparés en vue de ces Jeux Olympiques de Calgary. Généralement, la préparation d'équipe nationale ne durait qu'un an. En tout cas, ça avait été le cas avant l'Ecclesiastique et avant Sarajevo. Cette fois-ci, il a eu deux ans. La Fédération canadienne qui a trouvé un groupe de sponsors et qui a créé une association qui s'appelle Hockey Canada. Alors que les Canadiens se révèlent à nouveau très dangereux sur cette attaque, bien défendue par les Suisses, avec en contre-attaque Neuschwander. Récupération par Eberle. Il donne derrière pour Neuschwander, mais c'est finalement Schoenberg qui intervient dans les pieds du joueur suisse. Neuschwander que l'on voit. Avec une base de joueurs de Lugano. Tout à fait. Lugano qui est un gros fournisseur de cette équipe suisse, que je crois qu'ils en ont 4 ou 5. Si mes souvenirs sont bons, Gilles. Lugano qui est une piste, exactement. Piste, qui est une des plaques fortes du hockey suisse. Avec Davos, avec Kloten, avec Pierre, le gardien venant de Vienne, je crois. Tout à fait, Boucher vient de Vienne. De Fribourg aussi, quelques joueurs de Fribourg. Schoenberg que vous venez de voir en action, là, qui a plongé dans les jambes de Neuschwander pour contrôler ce palais. 2 à 1 après 6 minutes et 54 secondes de jeu. Et un pied dans la poule finale si le score reste comme ça pour le Canada. L'engagement est gagné par la Suisse avec un tir de Kölliker. Récupération sur l'autrel. Peut-être non, une erreur du défenseur suisse. Bucarte qui a glissé. Kölliker est venu rattraper cela. Gaëtan Boucher au centre de la patinoire. L'ex-canadien naturalisé suisse. Les plus belles moustaches du hockey mondial. Le joueur qui n'a pas pu jouer professionnel parce qu'il était trop petit, c'est 1m70. Et le hockey professionnel demande des gros gabarits, c'est pour ça qu'il est allé en Suisse tenter sa chance et qu'il y est resté et a été naturalisé il y a maintenant quelques années. Les Suisses repartent avec Wegler. Bon, l'arbitre dit qu'il n'y a rien. Non, le joueur de Bradley. Est tombé, c'est vrai. Bradley au centre, c'était pour Peplinski, qui est arrivé un petit poil trop tard. Peplinski. Il a trouvé Boisvert. Et Boisvert n'a pas trouvé le chemin du but. Au-dessus, la barre transversale. Roger. Personne. Bradley qui veut changer d'aile le long de la balustrade cherche Berry. Berry arrive trop tard. C'est Charven, l'auteur du but, deuxième but, qui a trouvé Abshade. Dégagement interdit. Serge Boisvert, que voici. On peut peut-être donner une explication à ces matchs où les petites nations tiennent la dragée haute aux grandes. Je pense que si vous voulez, c'est un peu l'occasion de prier pour les équipes comme la Suisse, comme la Pologne, qui jouent vraiment un match de foot, qui jouent le match de leur vie dans le cadre de ce tournoi olympique qui expliquerait jusqu'à présent quand même un certain nombre de résultats étonnants. Ce résultat étonnant peut bien entendu placer la victoire de la Suisse devant la Finlande ou la victoire de l'Allemagne devant la Tchécoslovaquie. La bonne résistance de la Pologne devant les deux équipes qu'elle a rencontrées, c'est-à-dire devant le Canada et devant la Suède, puisque la Pologne a fait match nul face à la Suède. Schoenberg. Alors que dans l'autre groupe, l'Union soviétique n'a aucun problème pour gagner ce match facilement jusqu'à présent. Mais il faut dire qu'eux ont eu quand même les deux équipes les plus faibles du
du groupe. C'est un bon galop d'essai pour les Soviétiques qui étaient à l'abri d'une grosse surprise dans la mesure où c'était les deux équipes les plus faibles, alors que les autres équipes s'étaient confrontées à des nations un petit peu plus difficiles, un petit peu plus haut niveau, et ils ont été un peu pris à froid. Et ça, c'est un fait qui pourra jouer en faveur des Soviétiques quand on arrivera dans la poule des médailles. Et psychologiquement, c'est important d'avoir un bon tirage, je dirais. Jusqu'ici, il y a deux poules de 6 équipes et chacune, les 3 premières de chaque poule seront qualifiées pour une deuxième poule, une poule des médailles, pour une poule de classement, pour l'attribution des médailles. Et les 3 équipes suivantes se rencontreront pour une poule de classement, pour les places de 6 à 12. Et la France a de fortes chances de faire partie de cette deuxième poule. Et oui, la France qui a raté son entrée dans le tournoi olympique. Ça vaut dire, je vous arrête une seconde, qui est une de Galati, qui est détourné dans le public. Oui, je voilà. Disais, la France... Le repropriétaire du palais. C'est fabuleux. Ah oui, c'est fabuleux. Les grands-enfants, on comprend leur joie, ce qui donne un petit peu de la mesure de la passion que les Canadiens ont pour le hockey. Alors que je disais que la France avait mal débuté le tournoi en perdant très largement contre la Suède, alors qu'elle avait réussi une bonne première période, un partout, et puis elle s'est écroulée à la deuxième période pour revenir dans une bonne troisième période, mais 13 à 2, ça a été le score le plus lourd jusqu'à présent de ce tournoi. Il faut espérer qu'au cours du match qui va suivre celui-ci, dans une autre patinoire contre la Finlande, elle va se racheter. Et sans vouloir espérer une victoire, mais au moins un très bon résultat. Et ça, nous le saurons dans quelques heures. Le liqueur à l'arrière pour la Suisse. Et c'est les Canadiens qui ont récupéré avec Tombellini. À l'arrière pour Zalatski, tir de Zalatski. Et un super barret. Richard Boucher. Vous pouvez remarquer que notre ami Zalatski est pratiquement tout le temps à l'arrière sur la glace. En tout cas, il revient très très peu au banc. C'est le plus jeune joueur de cette équipe canadienne. C'est un des plus prometteurs aussi. Un arrière très offensif. Et il faut dire que la jeunesse, à mon avis, primera dans ce tournoi. Parce que là encore, ils ont besoin de la condition physique très importante. Et c'est peut-être ce qui manque. Revient à l'équipe nationale, c'est peut-être ce qui manque à l'équipe nationale, c'est une relative jeunesse, une relative condition physique. On l'a bien vu au cours du premier match. Les équipes jeunes et fraîches seront vraisemblablement les meilleures de ce tournoi. Notre attaque, donc Rich. Et puis Lucky vers le palais. Récupération par Malinovski. Pour Yarenchuk. Et puis Tartan qui est tombé. Finition normale pour avoir accroché. Ouais. Roger va aller en prison. Oui. Roger. Je ne sais pas comment on prononce avec deux G. Roger. À l'allemande. Allez, prendre un combo ici, Bruno Roger. Alors les Canadiens qui se retrouvent à nouveau à 5 contre 4, l'occasion de creuser l'écart pour eux, ça évite bien le jeu de puissance. Le puissance, si nous le rappelons, c'est un jeu où l'équipe est en supériorité numérique. Et là, c'est les Suisses qui jouent particulièrement bien, puisque c'est un tir de Neuschwander qui était arrêté par Schoenberg. Maintenant, les Canadiens vont pouvoir repartir à l'attaque avec au départ Serge Roy. Un garçon qui joue en Suède d'ailleurs. Et qui avait failli venir il y a 2 ans dans un club parisien de renom. Le français volant, pour ne pas le nommer, donc le président, mon cher Thierry. Et puis il avait préféré rester au Canada, parce que c'est seulement cette année où il est parti en Suède. Quel l'honneur ça aurait été pour nous. Un joueur des Français volants dans l'équipe nationale canadienne.
C'est une belle affiche. Nous en avons 7 sélectionnés aux Jeux Olympiques. C'est pas mal non plus. En équipe de France. Oui. Bon contre des Suisses avec Jörg Eberle. Eberle, il perd un petit peu de temps là. Eberle, il a besoin de deux joueurs en vue dans cette équipe suisse. C'est peut-être un peu meilleur en tout cas de, dans ce match. Abscheid. Yaremchuk revient pour Greg. Zalapski encore à l'arrière gauche. Zalapski. Les Canadiens bien installés dans la zone. Que vont-ils faire pour tenter de marquer? Abscheid. Abscheid. Abscheid derrière pour Yaremchuk. Qui va glisser vers Greg. Ça revient au centre pour Abscheid. Yaremchuk. Greg. Yaremchuk. Et au centre, c'était pour Vingra. Ils ont tenté ce qu'ils ne font pas d'habitude, c'est-à-dire qu'ils jouent moins avec les arrières dans les jeux de puissance. Contrairement à leur habitude, où souvent dans les jeux de puissance, comme ça, les arrières marquent des buts. Zalapski qui va venir chercher le palais pour le Canada. Et c'est finalement Richard Boucher qui contrôle. Alors que Boisvert est arrivé très vite, il se fait repousser par les défenseurs suisses. Voilà l'exemple typique, vous voyez, dans un match professionnel, il y aurait déjà eu quelques coups échangés, alors que là, tout se passe dans la plus parfaite correction. C'est une des grandes leçons d'ailleurs de ces Jeux Olympiques, c'est la totale correction des joueurs des équipes et le strict comportement, je dirais, des arbitres qui sont très très vigilants. Et qui arbitre remarquablement, qui ne peut pas à tort et à travers, qui s'appuie envoyé en prison, ne voit pas systématiquement deux joueurs. Non, c'est ce qui fait toujours la première faute, ce qui est important dans le hockey, afin d'éviter que cela dégénère. Roy va chercher Waters sur l'autre aile, et il a trouvé du grain. Voilà, les Suisses repartent à l'attaque maintenant, se dégage. Les deux équipes sont à égalité. Et une interception de Rabeck, avec maintenant Vingra qui repart pour le Canada. À droite, il trouve Schreiber. Vingra derrière qui est bloqué par un défenseur. Il faut aller chercher à gauche Roy. Schreiber. Schreiber tout seul. À droite, un tir suisse de Jack. Jack. Ah, c'est du coup de Messi au contre-attaque suisse quand même, le Canadien. On a connu très vite arrivé. C'est plein de suisse. Vers le palais. Les Suisses vont pouvoir se dégager. Pour la Suisse. Entendons. Ravier récupère le palais. À l'arrière pour Mazzolini. Mazzolini devant pour Lyonnais. Lyonnais qui lance Berry. Berry qui tire dans les bras de Richard Boucher. Ah, on le disait en début de reportage, ce gardien suisse qui a fait le spectacle l'autre jour dans son match précédent contre la Finlande et là qui à nouveau a des arrêts déterminants. On le disait un peu chanceux, mais je répète, il a quand même beaucoup de talent et c'est vraisemblablement grâce à lui que l'équipe suisse a gagné contre la Finlande et fait un très très bon résultat ce soir contre le Canada. Réalisateur canadien de CTV, ne s'y trompe pas d'ailleurs, qui le met en gros plan à l'écran. Il a arrêté 40 tirs sur 42 de l'équipe canadienne. C'est énorme, c'est énorme. Alors que l'équipe a tiré 20 fois et marqué un but. C'est à peu près le même rapport d'ailleurs, le même pourcentage de réussite que les Canadiens. Il y a deux fois moins de tirs de la part des Suisses.
Et les tirs beaucoup plus dangereux de la part des Canadiens, il faut le noter. Gaëtan Boucher au centre de la patinoire, à droite, il cherche Schlagenhoff qui tire, Schlagenhoff c'est l'auteur du but suisse, et le palais part dans le public. Détourné par Schoenberg. Schlagenhoff, un joueur de Flotten, Flotten de très forte aussi du hockey suisse. Plusieurs fois champion national. Deskin regarde la pendule avec anxiété, se disant si les Suisses nous mettaient un deuxième but là, ce serait une catastrophe. Il reste 5 minutes 05 à jouer et le score s'affiche 2-1 pour le Canada face à la Suisse. Et l'engagement est devant le but de Schoenberg, le but canadien donc. Engagement gagné par les Canadiens avec une attaque de Yarenchuk. Yarenchuk qui tire et qui marque. Une action salutaire de Yann Yarenchuk qui est parti de son but alors que la Andy Mog, notre gardien, regarde cela. Il a eu la chance de le marquer parce qu'il était à 3 contre 1 et qu'il l'avait raté. Il aurait pu s'en vouloir malgré tout de ne pas avoir fait la passe. Il a fait un shoot très puissant. Il y avait Carpan qui était sur le trail. Voilà un troisième but qui fait beaucoup de bien au Canada car je pense que maintenant il serait très difficile pour la Suisse de revenir au score et voir gagner ce match. Voilà, Yarenchuk qui traverse toute la patinoire et qui tire. Il y a une distance très forte. Voilà qui met donc l'équipe canadienne un petit peu plus à l'abri d'une mauvaise surprise. Yarenchuk qui est un des meilleurs joueurs de ce match qui n'était pas là l'autre soir contre la Pologne. Qui a manqué cette équipe canadienne, tout comme Pierre Verroy. Je pense que Deskin avait pris un petit peu à la légère ce premier match. Alors que là, toute l'équipe canadienne est au complet. Rich à l'attaque pour la Suisse, un tir contré. Et les Canadiens repartent. Avec Berry. Chervin, l'auteur du deuxième but canadien. Les Suisses jouent comme s'ils étaient en infériorité numérique. Berry, sur l'aile droite. Et là, il a trouvé au centre. Tout seul, offside. Ils sont crucifiés les Suisses. Une erreur monumentale du défenseur droit de l'équipe suisse qui a laissé son gardien un peu seul. Et ça, contre les Canadiens, on revoit bien Valentin Veillet, le 22 qui s'en va. S'en va seul. Il fait le tour de la patinoire. Il perd complètement sa position. Et voilà. Il se retrouve seul. Hassad qui était l'auteur du but, sauveteur du Canada contre la Pologne, 1-0 le Canada contre la Pologne, c'était Hassad qui avait marqué le but. Nous disions tout à l'heure l'importance de ce joueur qui n'avait pas été là, et qui ce soir libère le Canada sûrement. Et tir et but suisse par contre, surprise de Eberle. But de Eberle, 4-2, cela va très vite maintenant. Mais 4-2, il reste 3 minutes 38 à jouer. Ce sera difficile quand même pour la Suisse. Pour la Suisse, pardon. 3 buts en 1 minute 30. Ouais. Nous avons choisi la bonne période pour le téléspectateur français. Qui voit donc la décision se faire. Le Canada mène maintenant 4-2. Il reste 3 minutes 38 à jouer. Et on voit difficilement la Suisse, Thierry, marquer 2 buts, sinon plus. Dans la fin de match, encore auquel okay, oui, tout peut arriver. Tout peut arriver puisque vous venez de voir quand même 3 buts en 1 minute 30. Il reste 3 minutes 38 alors que les Suisses ont demandé un temps mort. On revoit bien au ralenti là, l'erreur malgré tout quand même du gardien canadien contre Eberle. Eberle, je le disais tout à l'heure, un joueur qui a été en vue avec le tendeur qui a assisté de ce but. Donc, deux joueurs de pointe de l'équipe suisse, deux très très bons joueurs. Qui joue à Lugano, dont on parlait tout à l'heure, le plus gros fournisseur de l'équipe suisse, de l'équipe nationale suisse. Oh,
Voilà, 3 minutes 38 dans cette troisième période avant le coup de sifflet final pour une place presque sûre. Mazzolini qui a récupéré le palais pour la suite. Il cherche quelqu'un, c'est Gaëtan Boucher qui est venu lui filer, lui donner un petit coup de main. Changement d'aile pour Kulicker. Et les Suisses perdent le palais. C'est ainsi. Gagne du temps. Attention à la contre-attaque de Hapside à nouveau avec Stepinski. Kulicker. Oh là là, l'erreur derrière, c'était Mazzolini, mais qui n'était pas du tout prêt à recevoir ce palais. Récupération Schlagenhoff pour Mazzolini. Ça poursuit vers Kulicker sur l'autre aile. Il ne contrôle pas le palais. Résultat, ce sont les Canadiens qui récupèrent avec Chervène, là, complètement sur l'aile gauche. Il ne s'est pas soutenu. Lucie qui est un petit peu isolé, qui perd bien entendu le palais. Il reste 2 minutes 20 à jouer. Il ne se passe pas grand chose sur la patinoire depuis une minute là. Ça part dans tous les sens. À la limite, je pense que chaque équipe doit préserver maintenant ce résultat. Les Suisses qui obtiendraient quand même un excellent résultat pour leur niveau. Et puis les Canadiens qui préservent maintenant leurs 2 buts d'avance acquis en 1 minute. Vous avez vu l'arrêt de Burke, hein? Il était en train de penser qu'un accident pouvait malgré tout arriver rapidement. Léger manque de vigilance de la part des Canadiens, mauvais changement de joueur. Et les Suisses pourraient profiter. Opération avec Malinovski. Merlin Malinovski qui va tirer et c'est bien contré par Richard Boucher. Entendons qui part en contre-attaque. Entendons toujours lui qui va être bloqué contre la balustrade par Zalaski, le jeune et solide défenseur des Canadiens. Le Suisse récupère avec Eberle qui centre vers Neuschwander. Et voilà, je crois que c'est fini pour ce match. Les Canadiens vont l'emporter de toute manière par 4 buts à 2. Et peut-être alors qu'il reste 46 secondes, si les Suisses marquaient, en tout cas, difficile d'imaginer qu'ils puissent marquer 2 buts. Et le Canada va l'emporter donc sa deuxième victoire de ces Jeux Olympiques, Thierry. Oui, le Canada qui donc ont une forte chance. D'ailleurs, avec logique, de participer à la poule finale qui attribuera les fameuses 3 premières places olympiques avec or, argent et bronze. Et bien sûr, tout un pays ici, toute une ville, tout un public, 20 000 personnes à chaque match attendent la médaille d'or pour cette équipe canadienne qui n'a malgré tout quand même pas tout à fait séduit les observateurs. Et qui lui manque encore un certain nombre d'automatismes, nous sommes étonnés. Elle ait pu gagner le tournoi des îles spéciales. La grande question sera comment l'équipe du RSS, un petit peu plus du centre, réagira face à cette équipe canadienne et bien sûr, sans oublier, les États-Unis et la Suède, qui sont aussi des outsiders à ne pas négliger. Voilà, il reste 20 secondes à jouer, donc on s'achemine vers une victoire canadienne malgré ce dernier tir suisse vers les buts de Schönberg. Victoire du Canada par 4 buts à 2. Qui place donc le Canada, vous le disiez Thierry, dans une bonne position pour accéder à la poule des médailles. On sait sans doute que ce sera avec la Suède qui sera le troisième larron de cette poule entre la Suisse et la Finlande. Difficile à dire. Le Canada dont le prochain match sera la France. Qui à moins vraiment d'un miracle devrait à nouveau prendre 2 points et se qualifier définitivement. Sans doute une des dernières remises en jeu à 16 secondes de la fin.
Effectivement, comme vous le disiez, entre la Suisse et la Finlande, je ne suis pas capable ce soir de dire quel est le troisième qualifié. Il faut encore attendre un petit peu la prestation de ces deux équipes lors de la prochaine journée de cette poule. Ce sont les Canadiens, alors que l'arbitre siffle une pénalité différée contre le Canada. Ce sont les Suisses qui ont récupéré le palais et l'on s'achemine vers la fin du match. Il reste 3 secondes à jouer et un joueur canadien va aller en prison. Mais même si le match était terminé, la prison aurait été comptée. Il s'agit, je crois, de Mark Abshade. Qui discute, écoutez, monsieur Abshade, il reste 3 secondes à jouer. On va pas commencer à discuter pour cette prison. Il est peut-être catastrophé, s'il n'aura pas le trophée du fair play, c'est peut-être son seul problème. Je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose qui le concerne. On comprend pas très bien pourquoi les Canadiens attendent. Et personne ne veut aller en prison, ce qui est étonnant. Mark Abshade ne veut pas y aller. C'est Pepinski qui doit y aller. Non, c'est pas, oui, c'est effectivement Pepinski. Voilà, la dernière cette fois-ci, je vous assure que c'est la dernière remise en jeu. Et c'est fini. Donc victoire du Canada par 4 buts à 2 contre la Suisse. Une victoire qui était longue à se dessiner, que l'on a vu se concrétiser au cours de la troisième période. Dave King peut-être satisfait du résultat, peut-être un petit peu moins de la forme, de la façon dont ça s'est réalisé, du manque d'efficacité de son équipe. Dave King en tout cas rempli pour le moment son contrat, 2 victoires. Voilà, c'était donc un reportage au Saddle Dome de Calgary de Gilles Cozanet avec les conseils avisés de Thierry Lacarrière. Je vous souhaite une excellente nuit sur Antenne 2. À vous Patrick. Voilà Magnéto, tu as tout eu. Magnéto Paris. C'est parfait alors. C'est parfait. Bon, on change de patinoire, donc on va avoir enfin un rendement. Je serais curieux de voir comment ils changent leur patinoire en petit peu de temps pour le patiner là. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Enlever quelques. Enlever les glaces. C'est tout ce qu'il y a à faire, non? Ils doivent pas enlever les glaces. Ils n'enlèvent pas. Oui, ouais. Non, mais le jury, si on ne l'enlève pas.